Lorsque les enfants réalisent aisément de grandes multiplications avec le matériel du système décimal, ils peuvent ensuite réaliser les tables de multiplication de 1 à 10 avec des perles. Vérifiez que l'enfant sait formuler ce qu'est une multiplication. Qu'est-ce que c'est une multiplication ? Une multiplication, c'est quand on met les mêmes quantités ensemble. Invitez l'enfant à choisir la quantité qu'il souhaite multiplier. Avec 4. Nous précisons 4 une fois, c'est 4, puis nous poursuivons. 4 deux fois, ça fait combien, Raphaël ? 8. Raphaël a 5 ans. Il est en 3e année de maternelle. Il a déjà beaucoup utilisé ce matériel et connaît la plupart des combinaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous marquons le résultat en plaçant la quantité 8 sur le tapis. Nous invitons l'enfant à vérifier qu'il s'agit bien de la quantité 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montrez à l'enfant comment poursuivre. 4 une fois, 4 deux fois. 4, 3 fois. Combien ça fait, Raphaël ? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comment tu construis 12 ? Une dizaine et 2. Invitez l'enfant à poser le résultat et à le vérifier s'il le souhaite. Ici, on a mis 2 fois 4. Là, on a mis 3 fois 4. Et maintenant, tu vas mettre combien ? 4 fois 4. Tu les mets ? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Comment tu construis 16 ? Nous invitons l'enfant à poursuivre et s'il ne le fait pas spontanément, nous l'invitons à surcompter. Tu as vu ici, regarde Raphaël, c'est pareil, tu as 4 fois 4. Tu te rappelles combien ça faisait ? 16. 16. Donc tu sais que ça, ça fait 16. 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce que tu peux construire 20 ? C'est 2 dizaines. De nouveau, nous aidons l'enfant à surcompter si cela est nécessaire. 21, 22, 23, 24. Comment tu construis 24 ? 24, tu fais un 2 et un 4. Et alors, de quoi ? Deux dizaines. Deux dizaines. Et 4. Et 4 unités. 37, 38, 39, 40. Qu'est-ce que c'est 40, Raphaël ? C'est un 4 et 4 dizaines et 0 unité. Nous invitons l'enfant à relire la table de 4. 3 fois 4 égale 12. 4 fois 4 égale 16. Ensuite. 5 fois 4 égale 20. Bravo, Raphaël. 6 fois 4 égale 24. 7 fois 4, 28. 8 fois 4, 32. 9 fois 4, 9 fois 4. Combien ça fait, Raphaël ? Égale 36. Ensuite, 10 fois 4
égale 40. Certains enfants souhaiteront conserver une trace de leur travail. Nous les inviterons alors à écrire la table réalisée sur un papier.